Bon matin, guys. Il est présentement 5h30 du matin. Je suis fatiguée. Mais on s'en va. On s'en va à Boston. Donc, yes, ça va être ça l'introduction parce que je suis fatiguée. Ok, so, on vient d'arriver à la maison. Je vais vous faire un room tour. Un house tour bientôt. On vient d'arriver, il pleut. Puis, il y a eu un trafic monstre. Donc, on est arrivé 2 heures plus tard. C'est le fun, ça! Est-ce qu'il y a juste à Montréal qu'il n'y a pas ça? Genre, l'affaire se met tout seul. Fait que tu fais juste attendre. Fait que là, je suis en train de mettre 30$ de gaz. Je suis sortie avec mes cousins. On est allé chez Starbucks. Ensuite, on est allé mettre du gaz. Puis ensuite, on va aller chez Dunkin' Donuts. Because I'm hungry. So yeah, good morning. Salut! Donc, la transition était pourrie, désolée. C'est que cette journée-là, j'ai rien fait de sérieux. J'ai juste passé du temps avec mes cousins, fait que j'avais pas vraiment envie de filmer. Là, on est à un truc qui s'appelle Fun Party, I think. I don't remember. C'était vraiment le fun, fait que moi, je vous conseille, allez-y. Ma petite cousine qui voulait rien faire à part rester dans les boules. Ça me faisait trop rire, mais yes! Pour rentrer dans l'affaire pour le fun. You have to push. Qu'est-ce qu'elle fout? Hey, give me your hand. Boy. Ok. Et puis là, moi je la roule parce qu'elle peut rien faire. Ok! Tu sais ça? Ok! Ok, so, il y a eu un petit accident. J'avais oublié de prendre une couche pour Riley. Do you need help? On va aller l'aider. She don't need me anymore. So, ouais, on a eu un petit accident. Donc, j'avais oublié les couches à la maison. So, moi et Riley, on est partis à la maison. Je l'ai changé. Puis, on est de retour. Puis, il leur reste 15 minutes de jeu. Puis, après ça, on s'en va. On s'en va chez Target. So how do you feel, Riley, at the store? But I don't like it so no. Huh? I don't like it. No. But I don't like it so busy. You have to sit down. But huh? No, you have to sit here because there's not enough room for you and Riley at the same place. You understand? Wow. Because you're a big girl.
There's a lot of things. Bon matin, day 3 of my trip is the last day. Aujourd'hui, je vais enfin vous faire le house tour parce que hier, j'ai pas eu le temps parce que j'étais paresseuse. Puis je suis sortie avec mes cousins et cousines. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous faire le house tour. J'essaie d'aller le plus loin possible parce que la maison est immense. Je veux juste vous dire avant de commencer que la maison est en pleine rénovation. On vient de l'acheter, ça va faire un an qu'on l'a acheté. Mais elle est en pleine rénovation, puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ma grand-mère est décédée. Bref, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé. Fait qu'on a comme délaissé la maison. Puis c'est maintenant qu'on va recommencer à genre try to do something with it. Ok, fait qu'on habite à Tonton, je sais pas. Fait que vous voyez, la maison est quand même assez grande. Moi, elle me fait penser à la maison de Prince. C'est quoi le nom? Le film avec Will Smith, là. Bref, vous comprenez. Fait que ça, c'est la voiture de ma tante. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est l'autre voiture de ma tante. Ça, c'est la voiture de mon oncle. Fait que this is the house. Il y a un garage, mais le garage ne sert strictement à rien. Okay. So, ça, c'est la cour. Elle est immense. Une fois qu'elle est finie, encore une fois, on fera des parties de malades ici. Ça, c'est le garage que je vous ai montré. Hello! That's me! Hi! Bref, c'est ça. And this is the pool. Moi, j'ai peur de cette piscine parce que le jour que je vais aller nager dans cette piscine, ça c'est le balcon. Fait qu'on peut voir tout ça sur ce balcon. Ça c'est la chambre de ma tante. Bon, finalement, je vais pas finir le house tour. Parce que on m'a volé. On m'a dit, I have to go sortir. So là, on se retrouve à Billington. C'est le meilleur magasin au monde. J'ai jamais vu quelque chose plus haut que 40$ dans ce magasin là. Dollars. Fait que, yeah, c'est le magasin préféré à ma mère. Let's go! The juice? Interesting. Oui, c'est du café. On a le bord du café. Mommy, it's so yummy. It's so yummy? Mm.